Salut à tous les cousins, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vais aller faire le tour des boutiques pour voir ce qu'il y a des items Pokémon en ce moment. Je ne recherche rien de particulier, du moins ce qui est déjà sorti. Évidemment, si je trouve les coffrets d'équipe, il y en a trois, je les prendrai hein, parce que j'aimerais bien les ouvrir et vous le proposer à l'ouverture sur la chaîne tout simplement. J'attends avec impatience que ça sorte. Normalement, ça doit arriver pour la fin du mois. Mais sinon, si je trouve du coffret, par exemple, les volets radieux ou des items des ETB, non, je passerai. J'en ai suffisamment. J'en ai trois d'ETB. Je dois en recevoir encore une. Coffret évolué, je crois que j'en ai deux. Je devrais en recevoir encore un. Donc, moi, tout va bien. Allez, je vous laisse avec les images et on se retrouve pour en discuter. Coffret achicateur que l'on voit partout, que personne ne veut. Forcément, Lucario est quand même beaucoup plus intéressant. On a toujours ces Pokébox aussi. Bon, bah, c'est pareil. Hein. T'as des Pokébox hyper cool. La pauvre, elle est toujours là. La pauvre Alizette Arceus qui a morflé. Ça, c'est cool. Des petits feutres. Ça y est, de retour des formes boutiques. Alors, j'en ai pas fait énormément. J'ai vu qu'il y avait quand même du stock Pokémon. On retrouve à son habituel le coffret achicateur. Hein, je l'avais dit, hein, ce coffret-là, il part pas. Ou il part tout doucement. J'ai vu des valisettes, hein, comme d'habitude. Mais les valisettes, elles commencent à bien partir. J'ai vu des ETB Astre Radieux. C'est logique, c'est une série qui a pas connu un grand succès, même si la série est plutôt sympa. Et j'ai pu voir une seule petite ETB. Pokémon Go que j'ai pas prise, pourtant très bon tarif, 60€. C'est la première fois que je la vois à ce prix-là. D'habitude, c'est, je crois que j'en ai acheté quelques-unes à 63, 65, mais jamais 60€. Très bon prix. Il y en avait qu'une, en tous les cas, il y en avait qu'une et que j'ai pas prise, évidemment. Hein, je l'avais dit. Hein. Je recherche absolument pas ces items-là. Moi, je me concentre plus sur les items qui vont sortir de chez Pokémon Go pour pouvoir vous proposer d'autres ouvertures. Je trouve que j'ai déjà suffisamment ouvert d'items Pokémon Go, sans compter que je devrais en recevoir d'autres. Ce sont des très vieilles précommandes, et puis ça arrive au fil de l'eau. Donc pour l'instant, Pokémon, c'est plutôt tranquille. On trouve un petit peu de tout. Pokémon Go est plus compliqué à trouver, mais on peut le trouver plutôt sur Internet. Mais les autres séries, on les trouve assez facilement. J'ai vu du Astre Radieux, j'ai vu du Star Étincelant. Star Étincelant, il y en a de partout. C'est assez fou. Pas de tripack, évidemment. Alors, les tripacks, ça a disparu. Pourtant, ça devrait être l'item phare d'une série, hein, puisque ça propose 3 boosters pour 15€. Je trouve que c'est un très bon item. Une carte promo, un jeton. Et puis voilà, donc content de voir que les stocks sont là. Il n'y a aucun souci. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.